Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais envie de vous présenter un film intitulé Instinct qui a réussi à associer des gorilles et Anthony Hopkins. Ouais, c'est bizarre. Allez, c'est parti. Ethan Powell est un primatologue, et oui, ça existe, qui revient du Rwanda, pays dans lequel il a tué deux personnes. Lors de son arrivée, il agresse les deux officiers de police qui l'escortent et est enfermé dans un quartier de haute sécurité parmi les malades mentaux. Cette affaire étant particulièrement perturbante, alors pourquoi un savant partirait-il en sucette de cette manière, bien sûr? Le docteur Theo Kolder décide de prendre en charge l'analyse psychiatrique d'Ethan. Mais voilà, tout ne va pas se passer comme prévu et les rôles de chacun vont changer. Alors pourquoi ce film? Ben déjà, les acteurs. D'un côté, Anthony Hopkins, de l'autre, Cuba Gooding Jr. Deux grands acteurs dans un grand film, que demander de plus? Alors celui qui dit trois acteurs sort de la pièce tout de suite. Bon, par contre, d'entrée de jeu, si vous voulez voir de beaux espaces et des paysages somptueux, ce film n'est pas pour vous. La quasi-totalité de ce film se déroule dans une prison. Par contre, si vous voulez découvrir un autre point de vue sur la vie, ainsi que les priorités et les illusions, vous allez vraiment aimer ce film. Alors voilà, je m'arrête là pour la description. Une description très courte, car je pense qu'il faut vraiment découvrir ce film pour l'apprécier pleinement. Voilà, le dessin est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu et que le film vous plaira. Et n'oubliez pas qu'une rencontre peut parfois changer totalement votre vision de la vie. Ah, au fait, ma voiture va mieux. Allez, ciao!